C'était l'événement. À chaque fois qu'il y avait un lancement, tous les gens du quartier allaient voir. En plus, il y avait beaucoup de gens du quartier qui travaillaient aussi au chantier. C'était spectaculaire, c'était de voir quand ils retiraient les cales du bateau et que le bateau commençait à glisser. On se demandait comment il arrivait à tenir en équilibre sur son chemin là, de glisse. Alors c'était suiffé, là, c'était agressé et compagnie. Le bateau, il glissait. Et dès que le bateau commençait à rentrer dans l'eau, il y avait un tas de chaînes sur le bateau qui balançaient dans l'eau pour le freiner. Et il y avait un remorqueur aussi qui le freinait. Et ça aussi, c'était calculé en fonction de la masse du bateau, en fonction des courants, en fonction de la hauteur d'eau et compagnie par les ingénieurs.